Journal de bord. Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de journal. Et la raison en est que j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai découvert ce qu'étaient les miliciens. Preston m'a expliqué en quelques lignes ce que c'était. C'était des soldats civils. Enfin, à une époque, ils étaient nombreux, mais après le massacre de Quincy, ils se sont dispersés. D'après Preston, il est l'un des derniers. Enfin, ça, c'était avant qu'il me nomme général. Parce que oui, en effet, je suis devenue général des miliciens. Je ne sais pas ce qui a forcé Preston à faire ce choix. Mais en tout cas, je dois avoir quelque chose. Donc, pour faire court, j'ai rencontré Preston Garvey à Concorde. Ils n'ont pas eu de répit. Ils ont été attaqués par des ghouls, par des pillards. Leur visage en dit assez long pour que je comprenne qu'ils ont vécu l'enfer. Mais a priori, Mama Murphy, l'une des personnes, aurait des visions. En tout cas, elle les a guidés jusqu'à ce sanctuaire où je les ai accompagnés et je les ai aidés autant que possible. J'ai pris la décision de ne pas aider que eux. J'ai construit un petit abri à Red Rocket. Si seulement je pouvais créer les liens entre les colonies qui acceptent d'être alliées à notre cause. J'ai rencontré des gens à la ferme à Bertie. Ils avaient déjà décidé d'être des nôtres. Mais depuis qu'ils sont au courant que je suis des miliciens, eh bien, ils ont l'air d'avoir un regain. On a pu construire une radio relais et ainsi inviter tous ceux qui le désirent à venir. Que dire de plus? Pas grand-chose. Je dois préciser que j'ai reçu un message de détresse venant de certains membres de la confrérie de l'acier. J'en avais déjà entendu vaguement parler. Où c'était encore? À DC, Washington. Il se serait passé quelque chose là-bas. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi. Je ne peux que entendre ce que les autres en disent. En tout cas, ils sont arrivés et ils ont éprouvé quelques difficultés. Dance m'a proposé de faire partie de la confrérie, mais je suis une milicienne maintenant. Est-ce que je peux faire partie des deux? La confrérie de l'acier a plus l'air d'une communauté de militaires. Les miliciens ont l'air un peu plus soft à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, à part évoquer ma rencontre avec une créature énorme, un behemoth? Ça a été monstrueux. Le plus intrigant est qu'il ne me lâchait pas du regard. Malgré les tentatives de Preston d'essayer d'attirer son attention, il ne m'a pas lâché. J'ai eu l'impression qu'il savait. Oui, qu'il savait que je... Comment disait Dance déjà? Que j'étais une aberration? Une abomination? Je ne sais pas. Est-ce que je peux seulement en parler à quelqu'un? J'ai peur de ce que les gens penseraient. Je ne suis même pas sûre de pouvoir leur dire sans craindre un retour, une attaque. Les gens n'ont pas l'air d'apprécier les instincts. Qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Fin de mon rapport.